الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. في كتاب نور الصراط صحيفة سبعة اعظم اعو اعظم حقوق الله على عباده. اعلم ان اعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وعدم الاشراك به شيئا. اه Le plus grand droit de Dieu sur les créatures, c'est le fait de lui proclamer l'unicité, croire en lui qu'il est un Dieu unique, qu'il est un Dieu, existe sans début, sans fin, le Tout-Puissant, l'unique Créateur, n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui, n'est pas une matière, n'est pas un corps, ne ressemble pas à ses créatures. Ça, c'est le plus grand droit de Dieu sur les êtres humains et les djinns. Et qu'on n'a pas le droit d'associer à Allah quelque chose. Il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui soutient ou qui aide, Allah. qui aide Allah. Maintenant, nous, on dit on soutient la religion de Dieu. Nous, nous, nous ننصر الله وقال تعالى انصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم إيه نصرة الله هنا معنى نصرة ديني. lorsqu'on دي جو سوتيان لا غوليجون دو ديو وي voilà on peut dire ça mais Allah n'a pas besoin d'aide n'a pas besoin de soutien Allah لا يحتاج إلى أعانة من أحد حتى الملائكة لا يصح ولا يجوز أن يقال هم أعوان الله. même les anges on n'a pas le droit de dire qu'ils sont les soutiens ceux qui aident Allah لا دي تو انما هم عباد مكرمون طائعون لا يخلقون شيئا اعمالهم مخلوقه لله لزنج نو كراي غيان لور سي لكن في امر ان الملائكه مجبولون على طاعه الله باللام وليس بالراء فرق بين مجبولون اي لا يختارون الا الخير هذا معنى مجبولون اما اذا قلنا مجبورون كاننا نقول ما عندهم اختيار مسلوبو الاراده مره واحد قال لي جي كرو زونج سون بروجرامي قال لي انا ظنيت الملائكه مبرمجين مبرمجين شو بدهم يعملوا ما عندهم اختيار بالمره هذا ضد الدين خلاف العقيده الملائكه لهم اختيار لكن كما قال تعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بمعنى انهم ايش يختارون الطاعات والخيرات لا يحصل منهم لا كفر ولا فسق Voilà, ça c'est le plus grand droit de Dieu sur les créatures, le fait de proclamer euh, à Allah l'unicité, qu'il est unique par euh, son être, ses attributs, sans, ses actes, il n'y a pas un associé, et euh, le plus grave de tous les péchés, c'est le fait d'attribuer à Allah ta'ala,

الإشراك في الاستخفاف في الاستهزاء بالدين بأحكام الشريعة كل هذا كفر لكن أشده الإلحاد لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه أما من كان حياً ما دام لم يرى ملك الموت ولم يصل إلى حد اليأس من الحياة يصح منه التوبة والتوبة من الكفر والشرك أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Qu'il soit shirk au athéisme ou mépris ou au dédain envers Dieu et sa religion ou les prophètes. Maintenant, euh, on a dit le plus grave parce que c'est le péché qu'Allah ne pardonne à personne. C'est-à-dire pour celui qui est mort mécréant, pour celui qui est mort en étant associateur, Allah ne lui pardonne jamais. Allah a dit dans le Quran Al-Karim Allah ne pardonne pas le shirk. C'est-à-dire, et les autres sortes de mécrance à qui que ce soit, pour celui qui est mort dans cet état. Et il pardonne moins que ça à qui il veut. Moins que la mécrance Allah pardonne à qui il veut. Alors, maintenant, celui qui est vivant et il veut se repentir de la mécrance de shirk, de l'athéisme, il n'a qu'à témoigner. Il n'a qu'à dire Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. En français, il peut dire même Je crois en Dieu l'unique. محمد كوميساجي. حتى بالعربية يصح أن يقول آمنت بالله الواحد وآمنت بأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا نبي الله يصح أن أن يقول لا خالق إلا الله محمد رسول الله أيضا هذا صحيح لكن من ينطق بد أن يأتي بالعرف ما بصح مثلا أن يقول مرة سمعت الوهابيين عم يقولوا لواحد ياباني يتشهد طيب ما قولوا له باللغة الإنجليزية أو بلغة ثانية سهلة عليه المهم بعد جهد هذا الياباني قال قال أشهد أن لا إله إلا الله قلت فين ماذا قال هذا ماذا قال وهن عم يزقفوا كذا لكن النطق غير صحيح وبعضهم يقول بدل محمد يقول محمد محمد وسختان دي محمد مهمت هو سيدنا محمد ما اسمه مهمت ممت ني محمد اسمه محمد فمن لم يستطع ان يقول محمد رسول الله ممكن ان يقول ابو القاسم رسول الله وفي لغه اهل اليمن لغه عربيه ايضا صحيحه ان يقول ابو القاسم رسول الله ها؟ لا خالق الا الله امنت بالله الواحد محمد عبده ورسوله محمد نبي الله ابو القاسم رسول الله يكفي مساله مهمه استطراديه اذا اراد دخول الشخص في الاسلام لا يجوز له ان نقول له انتظر فكر اكثر خذ وقتك الاسلام دين صعب في احكام صعبه الذي يفعل هذا خرج من الاسلام ما عاد مسلما جدي une remarque importante qui veut embrasser l'islam on Écoute, l'islam, c'est une religion, où il y a beaucoup de, de lois, il y a beaucoup de pratiques dedans. Attention, hein, prends ton temps, réfléchis bien. Il y a la purification, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la zakat, il y a le, les arrêts pour le vol. Attention, hein, si tu rembrasses l'islam, c'est pas facile. Prends ton temps. C'est lui qui dit ça, il sort de l'islam. Les savants de l'islam...

ولو لم تكن إماما أنت لو لم تكن إمام شو مع واحد يريد دخول في الإسلام ما أنت لست إذا أنت مسلم لا تعرف أن تقول له ما هو الإسلام إذا أنت على الإسلام لا تستطيع أن تقول له ما هو الإسلام Alors on a pas le droit de dire « Attends, ré réfléchis encore ou je vais te prendre un rendez-vous dans une semaine. » Tu n'as pas besoin d'être imam. Si quelqu'un il veut rentrer dans l'islam, tu n'as pas besoin d'être imam. Toi-même, si tu es musulman, Tu connais c'est quoi l'islam Je crois en Dieu l'unique, qui n'a pas d'associé, qui ne ressemble pas à ses créatures, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, toutes choses passent par sa volonté. Jésus, Abdullah, Jésus est un prophète messager. Des choses comme ça. Mohammed, le dernier messager, c'est un prophète messager, dit en français Je crois en Dieu l'unique, je crois en Mohammed comme prophète. Alors, c'est tout. Mais مبادئ دين الاسلام لا عقيده ولا فقه فبعض الاحيان قد يتعرف هذا الشخص على امراه او هذه المراه تتعرف على رجل ويقول الاخر اريد الدخول في الاسلام ايه طيب يلا منشوف معنا وقت فالذي يرضى لهذا الانسان ان يبقى على ما هو عليه ولا يقول له قل لا اله الا الله محمد رسول الله هو خرج من ربطة الاسلام جدي لو جون كي اون non, non musulmans, et puis que des fois la, la femme fait connaissance avec un homme, et l'homme il dit, moi j'aime bien l'islam, j'apprécie votre religion, je, je veux embrasser votre religion. Elle lui dit, ok, bon, je vais voir, on a le temps, elle le fait traîner, mais accepter qu'il reste sur cet état et retarder son islam. C'est comme on a accepté d'être en dehors de l'islam. Alors la personne qui a fait ça, il sort de l'islam. Des fois, un jeune homme, il s'est marié avec une par femme parmi les gens de livre. Alors c'est valable que le musulman se marie avec une femme parmi les gens de livre. Maintenant, si cette femme après, elle voit son comportement, elle dit j'aime bien rentrer dans votre religion. Il faut lui dire, dis la ilaha illallah, dans votre langue, vous dites telle phrase. Mais le fait de dire, bon après je vais réfléchir, je vais téléphoner à la mosquée, je prends un rendez-vous. Non, on ne peut pas accepter que la personne retarde son islam. Tu vois, ma fille, accepter que quelqu'un reste mécréant, c'est de la mécréance. Et malheureusement, il y en a des gens qui font ça. Même, ça m'a été rapporté que à certains centres, à Genève ou à Paris, euh, il y a que des gens, des fois des Français, des, des Suisses, qui, veulent, qui viennent euh, vers une mosquée, voilà, j'aimerais embrasser l'islam. On dit, à ces toi là. Il lui, il lui explique lien il lui dit « Assez-toi, attends. » Il ramène la direction. Il y a deux agents de sécurité, je ne sais pas qui, il y a le responsable, le directeur, les mains. Il commence à lui questionner « Pourquoi tu veux embrasser l'islam ?»« Pourquoi Qu'est-ce que… Qu » que? On fait un… avec lui, euh, comme euh, au KGB, comme le CIA, on fait des enquêtes « Pourquoi ?» Mais c'est quoi ton problème Supposons c'est un policier secret français, il veut embrasser l'islam et il veut infiltrer ton groupe. C'est quoi ton problème Tu lui dis, rentre dans l'islam. Toi, tu as des choses à cacher Est-ce que toi, tu soutiens Daesh sous sol et dehors, tu dis, je suis contre la violence et l'extrémisme C'est quoi ça que C'est quoi ton problème Si n'importe qui, il veut embrasser l'islam, c'est quoi Est-ce que, te... Est -ce que tu as appris de Sayyidina Muhammad, de Sahaba, de Tabi'in, du Al-Bait, que quelqu'un, il veut embrasser l'islam On fait une enquête on lui dit pourquoi Et à la fin, après l'enquête, après le, les bombardements des questions, prends ce livre, « Qutub al-Wahabi » prends ce livre, reviens six mois, ou deux mois, ou une année même, pour faire un examen. « La hawla wa la quwwata illa billah »« Ma » L'homme vient pour se réveiller, « fa naziduhu maradan wa illatan » li anna آه، الذي يرجى منه الشفاء هو مريض، هو لا يعرف كيف يداوي، هؤلاء الذين جئنا اليهم ليعلموننا الدين ابعدوننا على الدين، لان اليوم اكثر الناس سواء في وظائف الامام او المفتي او القاضي آه لا يستحقون هذا بالمره، ليسوا اهلا لذلك بالمره، الله تعالى يسلمنا ويحفظ ويحفظ المسلمين من شرور كثير ممن من تصدر Que Dieu nous préserve. Il y en a beaucoup des gens qui ont pris des postes et qui ne méritent pas à, ces, à être à ces postes. Et dans les signes de l'heure, le prophète Mohammed a dit, si on, on cède ou on donne la responsabilité à, à, aux gens qui ne méritent pas, qui ne sont pas à la hauteur, alors attendez l'heure, attendez l'heure, c'est-à-dire c'est un signe de l'heure lorsqu'on voit les gens qui ne sont pas à la hauteur et quand même ils prennent des postes de juge, mufti, qadi et ils ne sont pas à la hauteur. <mère> » «Allah Maintenant, si la personne elle est, mort, elle est morte musulmane, même si ses péchés atteignent les cieux, atteignent les nuages, ou ils sont comme des montagnes, ou comme le, la, les, 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 les sept mers, comment dire, Allah Ta'ala pardonne à qui il veut. الله تعالى باردون اكي الفو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء موان كو لا ميغرانس الله باردون اكي الفو وهذا يدل على ان المرتكب الكبيرة ليس كافرا لا نعتبر ان الذي وقع في ذنب كبير كافر اون نوتريت با quelqu'un qui a fait un grand péché comme mécréant on ne déclare pas un, 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 un désobéissant ميكريون في قاعدة ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله شرب الخمر زنى سرق أكل الربا ضرب والديه مع أنه ذنب عظيم خطير يا ويله من فعل ذلك ولكن Alors, celui qui a fait des grands péchés ou des petits péchés, on ne le déclare pas mécréant. Même si on dit qu'il a forniqué, il a volé, il a bu l'alcool, il a tapé sa mère, malgré que c'est un péché très grave. Mais celui-là, on ne dit pas qu'il est mécréant tant qu'il ne l'a pas déclaré licite. L'imam Tahawi a dit on ne déclare personne mécréant. سويت أحمقش، tant qu'il l'a pas déclaré ديكلاري Lorsqu'il déclare légitime, il a mépru، même s'il n'a pas fait. même s'il n'a pas fait. فلما لما هذا الإنسان يعني يقول عن الزنا حلال أو عن السرقة حلال، لأنه بعض الناس ولو مازحاً ولو مازحاً، بعض الناس بيقول له أتلك حلال؟ أنت سرقتك حلال؟ أو بعضهم يقول السارق من السارق كالوارث من أبيه. فيستحلون يعني سرقة السارق لا هو المال المسروق يرد إلى صاحبه ليس لك أنت أن تسرقه تبهت ولو كان مازحا ليس مازحا ليس بعض الناس عند المزع يقول له أتلك حلال أنت أنت أتلك حلال كفرة ولو مازحا أو لاعبا ألوغ جدي ميم باغ بليزونتري ديكلاري حلال سكي حرام سيغتان شي نو أو ليبون موا جو نسي با سي دون فوتر بيي أون تونيزي أون سا أه Le fait que t'égorger, c'est halal, c'est licite. Mais c'est de la mécrance, même si c'est par plaisanterie. Même si elle dit un petit cochon, s'il il prend seulement le lait, on peut le manger. Il a mécru, on joue pas avec la religion. Alors, lorsque les, le, les, les savants de le Sunna ont dit on ne déclare personne mécréante suite à un péché qu'il a fait, tant qu'il n'a l'a pas déclaré halal. Et tant que c'est un péché qui n'a pas atteint la mécréance madame hada tham lam yasil ila al kufur sahibu 'as. Après, nous dit il te faut que tu te repentes avec le regret et la résolution et l'abandon immédiatement et la résolution à ne pas revenir et s'il y a un droit à un homme, tu le rends. Alors celui qui a commis un péché, qu'il soit petit ou grand, on dit tu dois regretter parce que tu as désobéi à Dieu, tu dois regretter et tu dois immédiatement délaisser le péché. Tu dois faire l'intention de ne plus revenir à ce péché dans le futur. Et s'il y a un droit de l'être humain, parce que tu as pris son argent, tu lui as cassé quelque chose, tu dois le payer. Tu dois le payer. Alors, par ça, on se répand d'un péché. Mais pour la mécrance, on se répand de la mécrance par le fait de témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Allah, Alors, il y a des il y a certains groupes qui ont dit, c'est lui qui fait le grand péché, c'est un mécréant, d'autres ils ont dit, il est sorti de la foi, mais il n'est pas rentré dans la mécréance. Alors entre les deux, c'est un... Un étape entre la foi et la mécréance. Vraiment, c'est une grande innovation ce qu'ils ont dit ces gens-là. Il n'y a pas ça. Soit tu es musulman, soit tu es mécréant. Maintenant, il y a musulman parfait, ou courroyant parfait, et il y a musulman désobéissant. Allah, il y a des musulmans qui sont des musulmans, des musulmans qui sont des musulmans qui sont des musulmans qui sont des musulmans. Tu sais ce que tu as dit Parce que je ne sais pas ce que tu as dit. Tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu ne sais وأن محمد رسول الله واجتنب كل الكفريات وقع في ذنوب ولو كانت مثل مثل الجبال هو مؤمن عاصي. في فرقة من الخوارج يقال لها البيهسية كانت تكفر مرتكب الذنب ولو كان صغيرا. Yافي لي Il y دي جروب لا كي سابلي البيهسية باغمي الخوارج. il disait même celui qui commet un petit péché devient mécrayon. وعلى ضوء هذه الفرقة البيهسية كانوا يقولوا انه الحاكم اذا حكم بجزئيه صغيره بغير شرع الله كفر الحاكم وكفرت الرعيه التي لم تثر عليه من تابعه ومن لم يتابع الرعيه كلها ان لم تثر عليه كلهم كفار فاخذ من هذا الفكر أبو الأعلى المودودي وسيد قطب هذه الفكرة وكفروا المجتمعات الإسلامية بالسبعينات والستينات والسبعينات كفروا مسلمين واستباحوا دماءهم لكن حزب الإخوان لما يسمى حزب الإخوان المسلمين هم كالحرباء أه بيغير وين بيجي بيأخذ اللون اللي هو أحمر بيأخذ أحمر أخضر أخضر أصفر أصفر متلون عشر ألوان بيأخذ لك عشر ألوان شو بدون المشاهدين وكل مرة بيقولوا ما كان عندنا عندنا نضج سياسي بتونس احرقوا عساسين الشرطة اللي بيحموا السوق في الليل احرقوهم بالنار لأنه كانوا يكفروهم بالأو ومصر كذلك كذلك أمر سوريا وبلبنان قتلوا تقطيع تقطيع الأطراف وكذا يقول لك آه ما كان عندنا نضج كنا أخطأنا الآن اكتشفنا أنه نحن على خطأ وبين عم يعطيكم هذه الفتاوى من أين؟ مرة بيكون كفر وبتقتلوا مرة ما عاد كفر مرة بيكون المشاركة بالحكم بس بت... إذا بتدخل بال... بالانتخابات النيابية أو ال... بس مجرد بتشارك بالحكم كفرت <applause> أهل طرابلس الحزب الإخوان من أهل طرابلس فتحية كان بعدين هم شاركوا بالحكم لو كيف أنتم ما كنتم تقولون كفر آه ما كان عندنا نضج سياسي جدي ان بارلون دو البيهسيه سي جروب الخوارج Qui ont tué Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Et c'est une secte très dangereuse. Euh, très dangereuse. Le prophète Muhammad a mis en garde contre eux. Il a dit Si je serai vivant et ils apparaissent, je les tue, je les extermine comme la communauté d'Ouad et Thamoud. Euh, J'ai dit ces gens-là ont dit, le Bayhasiya, que si le gouverneur a pratiqué une petite loi hors de l'islam, il a mécru. Et la société, les gouvernés, la société, ont mécru si. Ils l'ont suivi ou ils ne l'ont pas suivi, sauf ceux qui sont sortis contre lui, ils ont fait une rébellion contre lui. Alors ça, ces gens-là, n'ont pas mécru, mais tout le reste ont mécru. Alors cette idée-là, vraiment, c'est sanguinaire, c'est-à-dire euh, un n'importe-roi aujourd'hui, au, un président, il fait une loi laïque, alors ceux qui ont d'accord avec lui ont mécru selon... Ce groupe de Khawarij al-Bayhasiya, et ceux qui disent on n'est pas d'accord, mais laissez-nous tranquilles. Nous, on veut travailler, on a des enfants, on a des familles. On n'est pas d'accord avec lui, mais on reste dans la société. Eux-mêmes, ils sont coffards chez cette secte-là qui s'appelait al-Bayhasiya parmi les Khawarij. Mais un siècle en arrière, il y avait un Indien qui s'appelle al al maududi il a pris ça. Il a pris cette idée. Que le gouverneur, avec des lois laïques, il a mécru. La société qui n'ont pas fait la rébellion contre lui, la rébellion contre lui, ont mécru. Après, 50 ans en arrière, trop Khotob, en Égypte, il a dit ça et il a ajouté, il a répété dans son livre, qu'il a nommé Sous l'ombre du Coran, à plusieurs reprises, il a répété à plusieurs reprises. L'humanité a mécru dans sa totalité, euh, inclus ceux qui disent la ilaha illallah, Muhammad Rasoolah, sur le minaret, sont plus mécréants que les autres. Sont plus mécréants que les autres. Parce qu'ils répètent sans mettre en pratique ces mots, ils disent ça trop tôt ». Et ils ont déclaré la société mécréante, et à l'époque, ils tuaient, ils mettaient des bombes, tu tues ce que tu tues, et il y avait quelqu'un qui a mis de, un fils ou deux. Dans l'école de l'État, on l'a déclaré mécléon on lui a pris son épouse. Il, il tuait les gens, deux, deux gardiens de, de marché dans la nuit, gendarmes de la garde dans la nuit. On les a brûlés, Hezbollah. Il les a brûlés en Tunisie. Je dis Hezbollah, ce qui disent frères musulmans, c'est comme les caméléons. C'est comme les caméléons. Tu, tu veux quoi, tu cherches quoi, on, on s'adapte avec. Alors il disait à l'époque. Euh, on a fait ça, oui, on n'était pas mûr. Ce qu'on a fait comme crime, on n'était pas mûr. Au Liban, il disait si tu participes aux élections, tu as mécru parce que tu as participé à une organisation des lois laïques et tu as délaissé le Coran. Alors tu as mécru, comme il a dit Sayyid Qutb. Et eux, ils déclaraient ça mécréant. Après, 30 ans en arrière, on a fait des élections pour la première fois l'année 1992, quelque chose comme ça. Alors, ils ont participé. Mais on a dit, mais vous avez dit avant, c'est de la mécréance. Ah, on n'était pas mûr. Mais vous avez dit, c'est de la mécréance et vous avez tué des gens. Vous avez tué des gens. Vous avez tué des, gens. Avez tué des, des gendarmes en Syrie, en Égypte, en, en Tunisie, au Liban. Vous avez fait des crimes. Ah, on n'était pas mûrs Alors, chaque fois, mais qui leur donne des fatwas Qui déclare le sang des musulmans halal, licite Et ils tuent après Tout simplement, on n'était pas mûr. Mais même au temps de Sayyidina Muhammad, si un compagnon a tué un, un autre musulman, même par erreur, il ne savait pas, et, je, et par erreur, on payait la dia sans chamel. Et toi, qu'est-ce que vous, les Hezbollah, qu'est-ce que vous avez fait Seulement, on était fautifs, on a changé, tu vois. Alors, et, et, aujourd'hui, c'est grave. Comment ces gens-là agissent, c'est grave. Euh, maintenant celui qui observe ces gens là comment il, chiant, il, il moi je dis ces gens là c'est Satan le grand diable il prend un aspect comme à l'époque il est venu avec les kuffars de Quraish il a participé dans la réunion contre le prophète Muhammad. lorsqu'ils ont voulu l'expulser et Satan n'a pas accepté il a dit non c'est pas une idée Abu il a dit on le tue on envoie jamais personne Satan il se levait il a dit c'est ça la vie et rien d'autre même Satan s'il apparaît maintenant et il va vers leur euh, leader en Égypte ou ailleurs, il dit Je suis prêt à collaborer pour que vous auriez le pouvoir. Je veux vous donner la califat de, de, de l'islam. Ils vont collaborer avec lui. Ils ne voient que le, que le pouvoir. Ils veulent le pouvoir à tout prix. Tout prix, de n'importe quelle manière. Alors, des fois, il soutient les Wahhabites il soutient Daesh. Des fois, ils sont contre Daesh. Mais qu'est-ce qu'il y a mais vous n'avez pas un principe. Il n'y a pas une Aqidah à suivre. Comment vous avez collaboré avec ces criminels Alors c'est comme ça, c'est les intérêts. Alors ça, ce n'est pas juste. Un musulman doit garder ses principes, ses valeurs. C'est pas il bouge avec ses intérêts, même si ça contredit l'islam et les lois de l'islam. Alors j'ai dit que toutes sortes encore, l'auteur a dit, « Allahou la al-kufr al ta'ala inna wa saddu an ceux qui ont mécru et qui ont repoussé les gens de rentrer dans l'islam, et ils sont morts en étant mécréants, c'est ça la condition. Et ils sont morts en étant mécréants, Allah ne leur pardonne jamais. C'est-à-dire, il est mort en étant mécréant. Mais pourquoi il a dit, pourquoi il a dit, ils ont empêché les gens d'embrasser l'islam C'est pour dire que leur mauvais état les a poussés à empêcher aux autres d'embrasser l'islam. mais même s'il n'y a pas ça. quelqu'un a mécru mais il n'a pas repoussé les gens de rentrer dans l'islam. celui-là il a mécru il a dit celui qui veut rentrer dans l'islam je crois que c'est une bonne religion mais moi je ne veux pas embrasser l'islam et il est mort dans cet état. Et il n'aura pas le pardon de dieu. abu talib, l'oncle du prophète, il n'a pas empêché les gens de rentrer dans l'islam. il a soutenu le prophète muhammad a wa salam. Mais sur le lit de la mort, il n'a pas témoigné. Le prophète lui dit, dis, mon oncle, dis là il a je te garantis le paradis. Il n'a pas voulu dire. Et lorsqu'il est mort, Sayyidina Ali a dit à Sayyidina Muhammad, Kafir Dans une version, Sayyidina Ali a dit, Ton oncle égaré est mort, ou ton oncle mécréant est mort, il a dit, Va, Yani, couvre-le ou enterre-le. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام نحن نعيش في الدنيا مرة واحدة إذا أردت أن تخرج بطلا فاخرج مع التوحيد وإلا فلن تخرج بطلا بل أقل من البصل الأخ جديد Euh, on vit sur cette terre une fois, une fois on vit. L'âme, ça va pas aller sortir une autre fois, une troisième fois. Chez les humains, comme ils disent les bouddhistes ou comme ils disent les druzes ou ça sort dans un serpent ou dans un scorpion. Une fois que tu meurs, l'âme va soit à soit à Sejin, Sort héros, et si tu veux sortir héros, il faut sortir avec le Tawhid. Je crois en Dieu l'unique. À tous les messagers sans rien lui associer, à Sayyidina Muhammad comme prophète messager, à Isa comme prophète messager. Si tu sors autrement, c'est-à-dire tu as mécru en Dieu, tu as mécru au prophète, tu n'as pas cru au jour du jugement, c'est pas de l'oignon, c'est moins que ça. Allah ta'ala wa min al kufur wa khitam. Que Dieu nous préserve de la mécréance, que Dieu nous préserve de la perversité, la désobéissance. Nasa'l-Allah ta'ala, al-huda, tuqa wal wa wal-ghina. اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، وعينا من خشيتك دامعة يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدمع. من قبل ان يصير الدمع دما والاضراس جمرا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا واجعل اسعد ايامنا يوم لقاك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم